Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, je vous ai fait un faux pas la semaine dernière. Voilà, j'ai pas eu de vidéo de sortie parce que je suis en vacances. J'avais envie de profiter de mes vacances, profiter de la plage, profiter de mon chéri, etc. Donc voilà, je vous ai fait une petite semaine de vacances en vidéo. Mais on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris. Les derniers favoris datent d'il y a 2 mois, il me semble à peu près. Vous avez fait ça en juin. Et là, j'ai quelques produits à vous présenter qui ne m'ont pas quitté de l'été, que j'ai découvert durant l'été et que j'adore et que j'avais envie de vous présenter. Donc on est parti, on parle favoris. On va commencer par les favoris maquillage et je n'ai pas quitté cet été ce mascara, c'est celui de chez Yves Rocher, le mascara volume déployé en waterproof. Donc c'est un mascara que j'avais adoré en version normale, on va dire. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas racheté et j'avais celui-ci dans mes placards, je l'avais racheté en version waterproof, mais je l'avais un petit peu abandonné et je l'ai ressorti pour l'été, pour aller à la plage. Donc quand je vais à la plage, je me maquille quasiment pas du tout, mais j'avais envie de mettre un petit peu de mascara. Et donc j'ai ressorti celui-ci et vraiment il est nickel. Il fait des cils très longs, bien défini, avec une belle longueur, un joli volume. Le waterproof tient parfaitement ses promesses, ça ne coule pas, rien du tout. Et vraiment voilà, c'est vraiment un bon petit mascara qui est vraiment pas cher chez Yves Rocher. Donc la version normale je vous la conseille parce que je me souviens que j'avais adoré ce mascara, et la version waterproof est aussi parfaite. Donc voilà, le petit mascara de chez Yves Rocher, donc en teinte noire évidemment. Deuxième favori maquillage qui ne m'a pas quitté de cet été, c'est le bronzer de chez Givenchy. Donc les saisons poudre bonne mine en teinte numéro 2. Donc c'est la marque qui me l'avait envoyé, je vous l'avais présenté dans un tuto je crois avant l'été il me semble, je me rappelle plus trop. Ou dans ma morning routine, je crois que c'est dans ça que je vous l'avais présenté. Et c'est vraiment un bronzer que j'ai adoré utiliser, que j'utilise toujours en fait. Je trouve que la teinte est parfaite. Là avec mon teint un petit peu plus bronzé, ça met en valeur parfaitement les zones un petit peu où il y a eu du bronzage. Ça met en valeur le teint, ça donne bonne mine. Et vraiment j'adore cette poudre, elle est ni trop marron ni trop orangée. Je trouve qu'elle s'adapte parfaitement au teint. C'est une poudre en plus assez lumineuse, donc je trouve que ça donne un teint voilà ensoleillé et lumineux. Vraiment j'adore cette petite poudre, j'ai vraiment adoré l'utiliser et je vais l'utiliser encore un bon petit moment. Toujours en favori teint, je vous en ai parlé en première impression il y a quelques semaines, c'est le fond de teint Kiko Skin Moderniste 2 en 1 fond de teint et concealer. Donc c'est de leur nouvelle collection néo noir. Donc je vous avais mis, voilà, je vous avais fait une vidéo première impression que je vous mettrai sur l'écran si vous voulez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Mes premières impressions étaient plutôt bonnes et après plusieurs semaines d'utilisation, je peux vous dire que c'est un fond de teint que j'adore, que j'ai adoré utiliser aussi cet été parce que je l'utilisais en fait uniquement en anti-cerne. J'avais pas envie de me mettre plein de fond de teint l'été parce qu'il faisait chaud etc, donc j'en mettais uniquement en fait au niveau des cernes. Ça faisait parfaitement son job, ça suffisait, ça couvrait un petit peu le teint et en même temps en le laissant respirer parce que tout le reste de la peau vraiment était sans matière. Vraiment j'ai adoré et j'adore toujours ce produit. J'ai beaucoup aimé aussi l'embout, je trouve ça hyper pratique en termes d'application. Vraiment c'est un bon point pour ce fond de teint, si vous ne l'avez pas essayé je vous conseille parce qu'il est vraiment bien. Un autre favori maquillage est plutôt vernis. Alors oui, vous allez me dire, Noémie qui présente des vernis. C'est très très rare, effectivement, parce que j'en mets très peu à cause du travail. Hein. Pour celles qui le savent, à l'hôpital, on n'a pas le droit de mettre du vernis, sauf l'été. Je vais vous présenter ce petit duo de vernis de chez L'Oréal. Il y a deux vernis. Le vernis coloré, hein, qui apporte la couleur, et en deuxième étape, on met en fait un espèce de vernis gel transparent un petit peu par dessus pour amener de la brillance, pour amener de la longue tenue etc. Et franchement j'adore ce petit duo de vernis, ça tient super bien, la couleur est sublime. Moi je l'ai pris en teinte numéro 6, double entendre. J'en avais entendu parler en fait sur la chaîne de Marielle, donc le blog de Neroli. Je sais plus si c'est cette teinte là qu'elle avait elle, je suis plus très sûre. Bref, elle avait dit qu'elle avait adoré, elle trouvait que voilà, que ça faisait un vernis très brillant, des ongles assez brillants, ça tenait super bien. Et vraiment je rejoins parfaitement son avis. Voilà, si vous ne l'avez pas testé, franchement ces vernis valent le coup. On va parler maintenant soin du visage et j'ai deux petites brumes à vous présenter. Je suis tombée par hasard dessus. Donc c'est les petites brumes de Christian Lenard que j'ai trouvé chez Leclerc.
Christian Lenard fait des, comment dire, des eaux aromatisées, on appelle ça comme ça, ou des eaux en fait, des eaux fruitées, hein, pour le soin du visage que tout le monde connaît, qui a souvent en promo chez Leclerc. Et maintenant, ils ont sorti la version, on va dire, eau fruitée en spray, donc qui donne vraiment, je trouve, un côté tonique au visage. Je les utilise en fait avant mes soins et ça permet de donner un coup de peps, un coup de frais. J'aime beaucoup les utiliser. Donc il y a différentes gammes. Moi, j'avais pris les deux gammes, j'avais pris eau fruitée énergisante, donc c'est pour spécial peau terne et fatiguée, donc c'est un petit peu plus mon type de peau. Ça sent divinement bon la mûre et la framboise, c'est très frais, ça ne pique pas, je trouve que c'est hyper agréable à utiliser le matin, franchement j'adore. Et j'avais pris aussi la version eau fruitée purifiante au citron et fruits rouges, spécial peau à imperfection, donc non pas que j'ai des imperfections et que j'ai besoin de purifier ma peau, mais des fois je trouve que de temps en temps, quand on a un teint avec un peu plus de points noirs, des pores dilatés, etc., sans parler de grosses imperfections, je trouve un petit coup de brume un peu purifiante, ça peut faire du bien. Donc elle, j'utilise un petit peu moins souvent parce que c'est un petit peu moins adapté à ma peau, je l'utilise vraiment sur des périodes bien précises, mais vraiment pareil, ça sent super bon, c'est très frais, c'est tonifiant. J'aime surtout aussi l'odeur, j'ai aussi surtout acheté pour ça parce que l'odeur du citron, vous savez que j'aime beaucoup le citron. Donc voilà, vraiment ça c'est des petites brumes que j'aime beaucoup, pas très cher chez Leclerc. Voilà, ça change du tonique, en version spray c'est super bien. C'est des petites bouteilles en plastique, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ces petites brumes, je vous les conseille, elles sont super bien. Toujours côté lotion, je vais vous parler de cette lotion de chez Melvita, l'eau extraordinaire de rose, hydratante et revitalisante. Comment dire, j'adore. Simplement, j'adore ces petites lotions. C'est la marque qui me l'avait envoyée. Et vraiment, cette eau de rose, elle est juste magnifique. Elle sent hyper bon. J'adore. Franchement, j'adore cette lotion. Elle est très fraîche. Elle n'agresse pas la peau, elle ne pique pas, on sent la peau vraiment bien hydratée en même temps, bien fraîche. C'est très tonifiant, j'aime beaucoup l'utiliser le matin, j'utilise aussi un petit peu le soir, mais surtout le matin, j'aime beaucoup avant mon soin. Alors, effectivement, quand j'utilise ça, je ne vais pas réutiliser ça aussi en plus, parce que je trouve que ça fait un peu redondant, mais soit l'un, soit l'autre, on va dire. Mais vraiment, ça, c'est une très très belle découverte. La rose, ça sent très bon. J'étais très sceptique sur le côté rose, parce que la dernière eau à... l'eau florale à la rose que j'ai testée, c'était celle de chez Sanoflor, que j'avais détestée. J'avais détesté l'odeur. Je crois que ça sentait l'artichaut. L'artichaut, hein, je vous assure. Donc j'avais très très peur en fait de ressentir en fait cette lotion et d'avoir un peu ce même style d'odeur, et en fait pas du tout. Donc vraiment petit coup de cœur pour cette lotion qui est vraiment très très bien. Et toujours dans la même gamme rose, Melvita aussi m'avait envoyé ce masque, le Nectar Rose, masque hydratant, désaltérant. C'est un masque que j'ai adoré utiliser, qui est rapide d'utilisation, et Dieu sait que ça c'est un de mes critères pour savoir si un masque me plaît, c'est-à-dire qu'il ne va pas me prendre 30 minutes à le faire. Celui-ci me demande juste 5 minutes, donc il est sur la petite étagère auprès de mon lavabo, comme ça je le prends rapidement, j'utilise facilement et souvent aussi. Je l'utilise après m'être démaquiller, nettoyer la peau, quand je trouve que ma peau a besoin d'un petit peu d'hydratation, et notamment après les expositions donc au soleil, parce qu'avec le soleil, la plage, ma peau elle est un petit peu sèche, un petit peu déshydratée. Donc elle avait besoin d'un petit coup de fouet, et avec ce masque, franchement, j'ai adoré. Pareil, ça sent super bon, ça sent comme la lotion. Ce qui m'a fait un petit peu bizarre au départ, c'est que c'est un masque gel. Donc moi, je suis habituée au masque, on va dire, opaque. Vous savez, quand vous étalez, ça vous fait une crème ou quelque chose comme ça. Là, pas du tout, en fait. C'est un masque vraiment transparent, c'est une espèce de gel. Donc que vous appliquez et vous sentez que votre peau le boit, vraiment. Moi, j'avais des zones vraiment où, au bout de ces 5 minutes, j'avais quasiment la peau sèche. Alors, on sentait quand même qu'il y avait eu quelque chose... un petit peu de collant, etc. sur la peau, mais je n'avais plus cette épaisseur en fait de produit que j'avais appliqué, donc je sentais vraiment que ma peau avait besoin d'hydratation. Même mon chéri l'a utilisé et franchement ça lui faisait une peau vraiment une peau bien hydratée, une peau rebondie, etc. Donc voilà,
à utiliser sur hommes et femmes, hein. J'ai testé sur le mien, donc très très bien, hein. Franchement, petite découverte que j'adore, la gamme rose de chez Melvita, que je vous conseille. Toujours en soin pour la peau, je vous en ai parlé dans ma morning routine, mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est aussi une petite crème que j'adore. C'est la crème Garnier Skin Active Hydra Bomb, crème super hydratante, antioxydante, 3 en 1. Je l'avais achetée durant les promos de chez Leclerc, je n'y mettais pas un grand espoir, je me suis dit bon, c'est une crème hydratante de grande surface. Voilà, un petit peu sceptique la fille quand même. Mais franchement, c'est une bonne crème hydratante qui sent bon, qui pénètre bien dans la peau, qui ne donne pas un teint, comment dire, assez gras. Parce que des fois, quand on a des crèmes hydratantes un petit peu trop hydratantes, je trouve que ça a tendance à faire briller, etc. Là, pas du tout, ça pénètre très facilement. J'adore le flacon pompe, hyper pratique, franchement. Hyper pratique, hyper hygiénique aussi. On en prend juste ce qu'il faut. La peau, on la sent bien hydratée, bien rebondie aussi. Vraiment, cette petite crème Hydra Bomb de chez Garnier m'a vraiment surprise. Je vous conseille aussi, si vous avez la peau déshydratée, que vous avez besoin d'hydratation, cette petite crème est faite pour vous. Donc voilà, j'en ai fini avec mes favoris. Dites-moi si on a des favoris en commun, ou à l'inverse, s'il y a des favoris que vous trouvez qui ne sont pas bien du tout. Hein, voilà, partagez-moi tout ça dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Normalement, très vite, c'est vendredi prochain. Hein, je vous ferai pas fougon, normalement. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye!